Oui, Madame la Présidente, au sujet de cette affaire, écoutez, j'étais alertée, j'avoue que j'étais absolument pas au courant. C'est Jean-Pierre Brard hier soir qui a fait une allusion effectivement à cette affaire. Voilà. Bon, écoutez, renseignement pris, il s'avère en effet qu'un mail avait été adressé à Françoise de Benefieux, qui en dira peut-être un mot, qui donc l'avait adressé au ministère pour avoir des éléments techniques qui lui ont été en effet donnés. Et à ma connaissance, rien de plus. À ma connaissance, rien n'a été transmis. Voilà. Ce que je veux dire en tout cas, solennellement, c'est que je n'ai jamais demandé à personne la tête de qui que ce soit. Ce n'est pas quelque chose que je ferai jamais. C'est vraiment pas dans mes habitudes. C'est pas dans ma nature. Je ne suis jamais intervenue, jamais, ni sur les programmes, ni sur rien du tout, ni sur la gestion des chaînes. Ça ne viendrait même pas à l'esprit de le faire. Je ne suis absolument naturellement pour rien dans cette affaire. Ce sont des décisions internes à la société TF1. Je ne sais pas sur quel fondement elles ont été prises. En fait, je ne connais pas spécialement bien ce dossier. Mais probablement, ça va au-delà d'une opinion exprimée de manière privée. Probablement, ça va au-delà. C'est sans doute une différence de stratégie plus globale. Du moins, je l'imagine. En tout cas, c'est tout ce que je peux dire à ce stade. En tout cas, je regarderai, bien sûr. Mais c'est tout ce que je peux dire à ce stade. À ma connaissance, rien n'a été transmis. Et d'autre part, je n'ai jamais demandé la tête de quiconque, bien entendu.